Thank you.
Les deux sont même. Les deux. Merci. Les deux. Je vais vous montrer.
L'amour libre pour Haïti, et puis c'est ton grand ami tout, qui a créé la Fondation pour des droits conjoints pour faire formation, pour préserver les valeurs enfin, patrimoniales, comme on a dit, les valeurs historiques de pays, non? Et qui toujours prônait que pour Haïti travaille ensemble, être ensemble, combite, nous prenons combite à Jean-Bouillot, exemple, pour nous continuer sur, mais de manière plus moderne. Et pour que Haïti soit capable de redresser. Donc, il n'y a pas de temps pour ça, mais je crois qu'il y a des fondations, il y a des grandes idées, il y a des exemples, même dans le nettoyage, et là, dans le nettoyage pays, il y a des personnes présentes jusqu'à la dernière minute, et ce monde qui travaille tout, jusqu'au dernier moment de l'âge. Bonjour, moi, c'est mon téléphone, il dit oh Philippe, mon numéro. Contrôle à 104 ans, il est lucide toujours, il est avec lui toujours, il a pas opinion toujours. Et je crois que son exemple à suivre, et son monde nous salue mémoire lui, et ensuite son bel exemple de vie. Pour 105 ans, c'est pas tout le monde qui est arrivé là avec ça, et puis avec tête et claire. Donc nous disons merci beaucoup, nous remercions tous les familles, toutes les familles, toutes les jeunes qui suivent l'exemple lui. Et pour tout ça, qu'on quitte pour nous comme évident. Donc, vous pensez que la disparition n'a pas quitté vite dans le monde d'Haïti, les intellectuels là? Non, il n'a pas quitté vite parce que les quittons héritage, c'est ça que je dis. Parce que, au contraire, ça m'a attiré l'attention pour tout ça que j'ai écrit et comme valeur morale, parce que Odette, c'était ou ancien de constituante qui travaille sur la constitution d'Haïti. Donc, pour améliorer. Social et politique pays, je crois que c'est au exemple à ce moment. Donc, au monde comme ça, nous m'a dit que l'équité nous physiquement, je crois que
l'amour aux dettes sont héritables. Yes, ma'am.